On a plein d'argent. Les choses semblent bien aller. On va juste regarder ce qu'on a fait. Lors du dernier épisode, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. 8,25 pour le déclin de l'Empire du Kick. Waouh, j'étais vraiment inspiré quand j'ai écrit ça. Pirate's Booty qui a fait un bon bénéfice de 25,4 millions, ce qui est à peu près la même, exactement la même chose, mais avec des moins bonnes notes. Puis un jeu qui a coûté sensiblement la même chose. Save the World a été un beau flop avec un bénéfice de seulement 5,1 millions. On va dire que c'est un flop, mais le jeu n'a pas coûté si cher que ça. Puis Harvest Lemons a été un gigantesque succès sur PC. Il nous a rapporté 39,8 millions. Ok, fait que notre dernier jeu était un jeu d'arts martiaux simulation action. Nouveau jeu. Comment qu'on va appeler ça? Arts martiaux. Ninja. Oh, ouais, Ninja, ça pourrait être un jeu de style casual action moyen. Peut-être pour les enfants. Un petit jeu pour les enfants, là. On va appeler ça. L'Odyssée du Shuriken. Ah, parfait. Plateforme. La Wii, ça serait bon. La Ouya, ça pourrait être la Ouya aussi. Peut-être le Gurpad. Ouais. Oui, c'est ça, avec le Gurpad. Cinq cent mille. 10 000 pour la Ouya. Ça c'est. On va faire un jeu sur la Ouya. On pourrait le faire sur la Xbox One aussi. Ou la Wii. Avec le moteur rétro super. Ok. En 2D version 3. Ok, peut-être que ça, on va mettre le gameplay assez haut, le moteur. Ça, plus bas. Donne-moi juste un instant, j'oublie un papier important. Mettons, je pourrais mettre sur le moteur. Chris Malley sur le gameplay. Puis Edit. On va laisser Edit sur l'histoire puis la quête. Le jeu, histoire, les nez. Ah, ça va, sauvegarde multijoueur. Oui, succès. Bon, c'est bon, on regarde tout ça. Oh non! Fait que le casual c'est plus bon. Merde! Quand même du hype là! Oh my god! Ok. Dialogues vont être au plus bas pour notre jeu de casual action. Design de niveau, je pense que ça peut être bon là, mais on va vraiment baisser l'intelligence artificielle. Peut-être là. Tiens, je vais mettre sur les dialogues. Puis mettons, je pourrais mettre Pamela sur le design des niveaux. Puis tiens, je pourrais mettre sur l'intelligence artificielle ou.
mettre Jordan. Tiens. Faire ça de même. On va se mettre un peu de marketing là-dedans. Petite campagne de 2 millions. Ah, les gars commencent à être brûlés. Là. Jordan a commencé à être fatigué. Arrête de gratter la tête, Pamela. Ok. Je mettrai les graphiques au top. Je baisserai le devant. Un peu le son comme ça. Bon. Je peux mettre Catherine. Grant là-dessus sur le son. Design du monde, c'est Chris O'Malley. Je vais mettre sur le design du monde. Puis Pamela. Sur le graphisme, non. On va garder Dakota. Parfait. Et ça continue de monter, ce hype. Oh, le Nintendo a sorti la Swap, sa nouvelle plateforme de jeu. Bon, congé. Congé. Wow, on corrige plein de bugs. La swap a récemment été l'objet d'une polémique inattendue sur les réseaux sociaux. Tout a commencé lorsqu'un client a léché une des cartouches de jeu et déclaré qu'elle avait un goût atroce. Des milliers d'autres utilisateurs ont répété l'expérience, léché leurs cartouches et posté leurs réactions sur les réseaux sociaux et ont encouragé les autres utilisateurs à en faire de même, ok? Nintendo a alors publié un communiqué pour confirmer que les cartouches de jeu de swap sont recouvertes de benzoate, de dénatonium, un agent amer non toxique dans le but d'empêcher les enfants de mettre les petites cartouches à la bouche et de les avaler. Les premiers avis sur la console elle-même ont bien meilleur goût. La swap se révèle être appréciée par les joueurs du monde entier. Ben yeah! Encore une fois, hein? Ça marche pas nos affaires. Oh my god, on perd l'argent. Allez! Ça baisse, 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 ça baisse. Arrêtez de baisser! Bon. L'Odyssée du Shuriken. Ok, mais je vais bien être le meilleur. Je vais bien avoir le meilleur boot. Give me the best boot. Nous avons été mes meilleurs stands cette année avec notre jeu de Ouya. Incroyable. Oh, on n'a rien fait. On n'a pas battu aucun record. Notre intelligence artificielle va mieux par contre. Ok. Je suis quand même un peu inquiet. Bon, on fait quand même un jeu de Ouya là. Nice. 9. J'en veux encore. Hey, un 10! Un autre 10! Oh, pas encore! Un autre 9, 9, 10, 10, 10. Oh, merde, merde, merde. Oh, c'est de la pure scrap, ça. 8e. 1 million de ventes de fait. Déjà 1 million de ventes. Complètement cinglé, ça. Wow. Ok. Je pense que je vais m'entraîner un peu. Peut-être de quoi de simple. M'améliorer en tech. Pamela. Faire la recherche. Nouveau terme. Cuisine. Nice. C'est bon ça.
Un petit groupe de fans a demandé à ce qu'on leur laisse le code source de notre ancien moteur, le moteur Retro Super. Si on le faisait, les fans seraient heureux. On a travaillé dur ce moteur, on pourrait aussi leur vendre. On va leur céder, come on. Quand j'ai commencé à jouer à Outside Shuriken, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Le design des niveaux était à la fois recherché et étonnamment intuitif. J'ai jamais eu l'impression d'être dirigé à travers un niveau, mais je me suis jamais perdu non plus. Un véritable exploit, Outside Shuriken mérite vraiment d'être tout en haut du classement. Parce qu'on a fait, on fait de l'argent comme des petits pains chauds, là. Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Gros jeu. Jeu en ligne, c'est bon ça. Bon, on va s'améliorer en design. C'est bon. Le nouveau thème, cuisine. Puis peut-être... Je donne un congé à elle, elle est complètement vidée! Je pourrais-tu former Chris avec absolument rien? Genre, ouais! On va... On pourrait te mettre plus de vitesse. Tiens. Je pense qu'il est déjà rapide, Chris, mais il va l'être encore plus! Une société du nom de Rise VR a mis au point un casque de réalité virtuelle qui promet une immersion 3D sans précédent. Le nouveau casque, appelé le Visorius, ressemble à une paire de lunettes de ski géantes et offre un large champ de vision ainsi qu'un suivi de mouvement quasi parfait. Le premier test a laissé certains joueurs un sentiment nausé, mais avec le bon type de jeu, cette technologie peut sûrement nous promettre un nouveau niveau d'immersion. Ok. Wow, mais y a-t-il amélioré quelque chose? Yo! Y'a jamais rien amélioré! Chris! What the fuck? J'ai payé 15 000$ dans le vide! Bon, au moins on va augmenter la vitesse à Pamela. Puis après ça, on fait un autre jeu. Tiens, on va déjà t'accorder un congé, toi, puis toi aussi. Si on vous arriviez bien prêt. Ok, nouveau jeu. Le thème. La vie. Quel beau thème. Est-ce que je fais ça? Que je me dis la vie, qu'est-ce que je fais que ça? Est-ce que ça pourrait être un jeu d'aventure, tu sais? La folle aventure de la vie. Wow. Ça pourrait être pour les kids encore. Jeu moyen. Du genre aventure. Peut-être RPG. Wow. J'ose. Aventure RPG. Qu'est-ce que je vois avec ça par exemple? Je sais pas trop. On va faire ça sur PC, tiens. Je pourrais faire ça sur PC, puis peut-être sur Xbox One. Oh, j'ai pas de licence. Oh, j'ai pas de licence de PS4 non plus. Faire ça de même. Hop, le système. Oh, tant qu'à acheter une. Oh, je peux plus.
Ok, moteur, le moteur rétro super. En 2D version 3. Ok. Bon, on va le moteur assez bas. Moyen pour le gameplay, histoire et quête plus haut. C'est à peu près comme ça. Je vais me mettre sur le moteur encore. Est-ce que je mets 4 Catherine sur le gameplay ou je vais plus être quelqu'un d'équilibré? Mettons Dakota sur le gameplay. Puis tiens, je vais me mettre sur Histoire Kate. Parfait. J'y vais à fond, Léon. Il semble que les jeux de RPG sont particulièrement demandés actuellement. Mais ça, c'est bon. C'est ça qu'on va avoir. Salut, c'est Andrew McNair de Game Informer. J'ai entendu que tu parles de blablabla, encore une fois. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Folle Aventure de la Vie? Super jeu. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Eh oui, ça va être un super jeu, ça. Peut-être dialogue top. Moyen pour les designs de niveau, intelligence artificielle. Je pense que ça c'est comme c'est correct de même. Je pourrais mettre Jordan sur l'intelligence artificielle. Chris sur les dialogues. Edit sur le design ici. C'est bon ça. Let's go. Petit 2 millions. Ok. Ça doit être bon là, pour les designs, en tout cas dans ce jeu-là. Bon. Ensuite, graphisme. On va mettre Pamela là-dessus. Son Catherine, moi là-dessus, sur le son. On va de même. On va se faire une autre campagne marketing, peut-être plus petite, à 500 000. Ok. Wow, le design est vraiment bon. Puis notre engouement est gigantesque. Un grand stand. C'est bon ça. Notre engouement est déjà haut. Enlever les bugs. Enlever tous les bugs. Dans 2 mois, la wouhou, ça va retirer du marché. Ok. Est-ce qu'on a encore le meilleur stand? Wow, 1 474 876 personnes. On est toujours le meilleur stand. Finalement. 649 en engouement. Jesus. Nouveau record en design. Yeah! Bon, des augmentations, ça, ça va. On est plein de fric! Oh my god! Est-ce que c'est le bon? Oh my god! Non! Enculé! Ninform gamer de merde encore! Oh non, c'est de la pure merde, ça. Encore! Je vais-tu l'avoir le putain de jeu de l'année? Oh shit, on est numéro 1! Oh, on est numéro 1! C'est la première fois que ça arrive, ça!
Oh, les concurrents ont aperçu maman des commentaires jaloux. Ben oui, évidemment. Holy shit! Durant la présente interview, moi, le Retro Pathfinder avait fait de grandes éloges à propos de leur jeu en développement. La folle aventure de la vie prédit qu'il serait couronné de succès. Maintenant que le jeu est sorti, le consensus est que moi avais raison. Le jeu a reçu un accueil très chaleureux. Globalement, ça a eu un effet positif sur les ventes. J'espère. $5 millions de ventes. Waouh. Je pense que ça mérite de s'entraîner. On peut rechercher quelque chose. Cinématique avancée, narration vidéo, histoire interactive, choix éthique. Cinématique avancée. Un autre jeu mémorable de RetroPie Driver Games vient de sortir. Le style artistique de la folle aventure de la vie se mêle si bien avec l'impression générale dégagée par le jeu. Un mariage parfait, résumé, le meilleur jeu qui soit. Wow! Le meilleur jeu qui soit. Oh my god, on a quasiment fait 100 millions juste avec ce jeu-là. Oh, je pense qu'on vient de faire 100 millions juste avec ce jeu-là. Aucun sens. Wow! Ok. Bon, Catherine, on va t'entraîner un peu, fille. Bon, un peu de tech. $10 millions. Si le jeu était la musique, il serait un disque diamant. C'est un nombre incroyablement élevé. Ben oui! Wow, ça n'a aucun sens, en fait. Peut-être un cours de design? Ou peut-être... augmenter ses points de recherche. Bon, puis Jordan. On va lui donner un cours de tech. Continuer d'augmenter ça, cette belle tech-là. Dakota a tellement déjà de points de recherche, c'est fou. Oh my god, je fais tellement de fric là, ça a plus de sens. Ok. Bon. Quasiment peur du prochain jeu, moi. Il s'est vendu à 12 659 858 exemplaires. J'ai fait un profit de $139,258,524. Holy shit! Ok. Wow. Prends un congé, buddy. Toi aussi. Et on va faire un dernier jeu pour cet épisode-là. Ah, c'est pour ça qu'il a été moins efficace quand il a fait sa formation. Il était complètement vidé, le pauvre. Ok. Avec le prochain jeu. Mon thème. La vie, c'était déjà pas pire. Entreprise. Oh, entreprise. Est-ce que je ferais un jeu d'entreprise? Faudrait que ce soit un jeu de simulation. Comme simulation stratégie, genre. Bon, si on est pour avoir un jeu de simulation, c'est sûr que... La Wii, ben la Wii est plus sur le marché, ça c'est vraiment dommage. Ben le PC est toujours le best. Je peux avoir comme un autre. Comme la Ouya. Peut-être la Play System. On va regarder ça comme ça. Les fous de la finance. C'est bon. Sur le moteur Retro Super.
Par contre, on mettra pas ça. Young, on pourrait mettre ça. Peut-être tout public, moyen. Graphics 2D version 3. Bon. La simulation stratégie. Gameplay au top. Le moteur assez haut. Moyen pour l'histoire quête. Peut-être je pourrais mettre Catherine sur le tech du moteur. Pamela. Ça, histoire, quête, Dakota sur le gameplay. Peut-être Chris. Tiens, faire ça comme ça. Oh là, la tech est vraiment bonne. Fait que c'est bon signe. On va essayer de battre notre camp en tech, ça devrait être pas pire. Tiens. On a de l'argent, 2 millions. Dialogue assez bas. Assez bas les dialogues pour un jeu de simulation. Level design, comme ça, level design de même. Mettons, je regarderai Pamela là-dessus. Edit. Le design des niveaux, intelligence artificielle. Jordan, c'est notre meilleur en tech. Ça pourrait être moi. Tiens. On se dit même. On va booster le tech là. Puis tiens, un autre 2 millions. Stratégie, simulation. Tiens, on va mettre ça assez haut. Puis moyen pour le level design, tiens. Puis je pourrais mettre Edit là-dessus. Pamela pourrait rester. Jordan serait sur ça. Je pourrais mettre Edit sur le graphisme, tiens. On en donne bien à Edith à faire là-dessus. Yeah! Je pense que pour la tech, on va battre notre corps là, pour celui-là. J'espère. Il semble que les jeux de type simulation sont particulièrement demandés. Ouh là là! C'est malade ça. Ok. Va-t'en en congé, va-t'en en congé. Vous allez avoir 1 million de fans bientôt. Holy moly! On a encore le meilleur stand à 1 522 376 personnes. 574 pour le hype. Wow. Ça descend pas. Un petit peu, hop, 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 hop. Ok. Enlever le bug, enlever les bugs. Nouveau record, oh Jesus, des deux côtés. Pour les fous de la finance. Bon, c'est bon, ça me va. Une version complètement remaniée de la M. Wow. De la MBoxNet. Appelée la MDocNext. La nouvelle console s'en intégrée rapidement sa propre périphérique de capture de mouvement provenant de la MBox One, le tout dans un plus petit package. Visuellement, la MBoxNext n'est pas sans rappeler la MBox 360, mais avec des couleurs beaucoup plus claires, marquant un changement radical par rapport au style volumineux et sombre de la MBox One. La technologie de la MBox semble prometteuse, mais nous verrons comment cette nouvelle console s'en tirera face à ses concurrents. Ok, on y va. 10. 10. Oh my god. Oh, salopard!
Oh, ça, c'est de la pure, c'est du teasing, ça, c'est terrible. Oh, numéro 1 encore. On va devenir riche comme Crésus avec. Wow. Encore une fois, on est les meilleurs. Ok. Chris. Cherche-moi un nouveau thème, s'il te plaît, mon chéri. Prison, c'est bon ça. Retro Pile Dragon nous surprend à nouveau avec un jeu très agréable. Dans ce nouveau type de jeu, le cœur des mécaniques de gameplay est vraiment important. Et le développeur l'a vraiment bien géré. Un effort stratosphérique de Retro Pile Dragon. Mais parfait, merci bien. C'est gentil. On va regarder pour de la recherche. Histoire interactive, c'est bon ça. Catherine. On va faire un cours de programmation. Puis Dakota. Qui est bon dans les deux. On va lui donner des cours de tech. On va améliorer sa tech encore plus. Bon, encore, hein? Plein de cash. Fait que 500 millions, possiblement, à la fin de ce jeu-là. Bon, la tech va augmenter. Avec 12, je pourrais essayer d'améliorer la vitesse de quelqu'un. Comme Pamela. Soit la vitesse, soit la technologie, tiens. On va inventer ses points de techno. Oh non. J'ai-tu fait la bonne chose? Non, pas du tout. Beaucoup de gens attendaient l'annonce de la nouvelle console de Vony avant la sortie sur le marché de la Xbox Next de Mirkonoff. C'est chose faite. Fidèle à la tradition d'entreprise et contrairement aux pratiques de dénomination de son concurrent Mirkonoff, la nouvelle console se nommera justement PlaySystem 5. La PlaySystem 5 semble être une mise à jour progressive, la précédente, sortant le en courant d'année prochaine. Ok. Sa forme n'est pas sans rappeler celle de la première PlaySystem 3. Cette nouvelle console permet d'être une belle innovation, mais nous verrons comment cette nouvelle console s'en tirera face à ses concurrents. Parce que je pense qu'on est pas mal vers la fin là, des updates de console. Après ça, ça va être de créer notre prof console. C'est pas ça du tout que je voulais faire, en fait. Pour madame... On va regarder Kedit. C'est ça, je voulais des points de recherche, moi. Tiens. Mets-toi là-dessus, Edit. Faire un dernier jeu, là, avant de quitter. Tum, tum, tum. Tadadam, tum, tum. Ah, j'avais déjà pas mal de points de recherche. Mirkonoff, la Mbox Next est sortie. Bon. Ce qu'on fait. On va développer un nouveau jeu, tiens. Le thème. Ce qu'on. Peut-être avion. Non. Est-ce qu'on retourne avec les aliens? Pourquoi pas? Un good old RPG. Un RPG stratégie. Ouh! Hein? C'est excitant. Le fléau. D'ailleurs. Ouh! C'est pas vrai ça. Peut-être pour tout le monde. Plateforme. Bon, mais RPG. PlaySystem 4 en premier. Je sais pas d'autres. Je sais pas les autres. Là, tu sais. Box Next, ça va coûter 1.5 avoir ça. Je pourrais le PC. Sur le moteur Retro Super. RPG stratégie. Je pense que j'ai jamais essayé cette combinaison là.
Fait qu'on va monter ça. Gameplay à peu près là. Un moteur plus bas. Puis, mettons que je mettrais Dakota là-dessus. Chris, on va le laisser là. Tiens, on va mettre Dakota là-dessus, sur ces deux affaires-là. On va y en demander. C'est un petit 2 millions. Justement l'argent. Le fléau d'ailleurs. Oui, entrevue. Est-ce que je suis plus graphisme ou design du monde? Oh, ben plus design du monde. Ok, ça a l'air pas si mal. Bon. Je pense que l'intelligence artificielle peut être moyenne, mais assez haut sur les dialogues et le level design. Edith va être sur le design de niveau, ça c'est clair. On va mettre Jordan sur l'intelligence artificielle. Puis tiens, je vais me mettre sur les dialogues. Un autre 2 millions de marketing, tiens. Pouf pouf. Je sais pas si on bat notre record en techno, mais ça se peut qu'on batte notre le record de design. Oh, la Play System 5 est sortie. Ok. Le world design va être au top. On a dit qu'on mettait de l'emphase là-dessus, c'est ça qu'on va faire. Graphisme son moyen. Design du monde. Bon, mais on va mettre Pamela là-dessus. Le son, on va mettre Catherine. Puis, Chris, on peut tout mettre sur le graphisme, ça va être bon. Ou moi. Putain, je me fais travailler. Un autre, 2 millions. Notre gros stand. Regarde le hype is good. Jeez, la techno est bonne là. Allez, enlevez les bugs. Je sais honnêtement pas combien d'épisodes il va nous rester parce que là ça semble être de moins en moins complexe là. Je voulais créer ma propre console. Wow, meilleur stand, évidemment. Ok. Enlever les bugs. Ok. Oh yeah! Nouveau combo, bon management. Ça va bien. Narration immersive en nouvelle recherche. Oh my god, est-ce que je vais l'avoir? Oh non. Comment 8? 7? Ah, ben c'est bon, c'est pas un mauvais jeu du tout. Bon. Former. Non, recherche. Dialogue. Dialogue amélioré. Ok. Où je me situe avec ça? Excusez-moi. Bien joué. 18e. Bon, c'est pas si hot. Mais c'est pas grave.
Je fais-tu dépenser pour qu'elle aille full le point de recherche à cette heure? On va dépenser pour du meilleur design. On va s'arranger pour. T'as un cours de gestion de produits. On va voir ce que ça fait ça. Pour la vitesse. Putain, je vais me former. En technologie ou en design? En design. Crème, j'ai pas l'air de me former fort fort par exemple. Tiens. Améliore ta vitesse. Tiens, on peut. Former encore. Design. $5 millions de ventes. Bon, c'est pas tant que ça, hein. En même temps, on peut pas s'attendre à faire des gros succès comme ça à tout vent. Là. Prochain épisode, on fera de quoi pour développer des gros jeux. Ouais. Ok. Donc voilà, on regardera ça pour un prochain épisode. À la prochaine tout le monde.